Stavo cianto giù. Oui, Georges. J'ai fait votre putain de boulot. Vous avez les enfants et les organes. Je peux enfin savoir qui vous êtes. Je bosse pour vous sans vous connaître, nom de Dieu. Et ça me pose un problème. Bonjour, je sais. Je me porte bien. Tu ne me déranges pas. Et je t'ai excusé il y a très longtemps. Alors là, j'arrête de travailler pour vous. Je vous ai dit que j'arrête de travailler pour vous si vous ne reconnaissez pas votre nom. C'est vous le responsable de tout ça, enfoiré. Et c'est vous que la justice devra poursuivre. Sale enfoiré. Je suis à la moindre occasion, je vais te dire. Je vais réfléchir. Je t'appelle pour te donner la suite. Terrible les hommes. C'est l'occasion pour moi de prendre ma revanche. Vous avez un problème, madame? Non, rien du tout, rien du tout. Allô, Justin. Les dossiers directeurs marchandises allant en étranger sont-ils prêts? Ok, tu dois le faire le plus tôt possible. C'est urgent. Bonjour. Oh, bonjour, mon fils. Bonjour, ton fils.
Margot, ma future épouse. Enfin, tu t'es décidé. Il fallait le faire à un moment donné. C'est une belle fille. Merci, tonton. Il me faut impérativement un financement pour mon projet. Je pense que c'est le moment d'appeler ma petite soeur. Au téléphone. Je crois que les rêves de ma défunte petite sœur sont enfin réalisés. Oh Dieu, merci. Ma fille. Oui, tonton. Bienvenue dans la famille, Yandi. Merci, tonton. Mon enfant. Fils. Oui, tu sais, le mariage est la seule chose qui peut rendre un homme responsable. Allô, bonjour Rose. C'est encore la nuit là-bas. Je m'excuse, mais c'est pour une bonne cause que je te trouve le sommeil, petite sœur. Tu sais, les enfants ont repris avec la fac. Je ne sais avec quoi les soutenir. Les temps sont trop durs par ici. Et en plus, j'ai monté une entreprise. Il me faut de l'argent. Vraiment pas assez, hein, tu sais. Le gouvernement a facilité un certain nombre de choses. Les impôts, par exemple, ne sont payés qu'après les deux premières années. Ils vont même jusqu'à participer au financement. Le mariage n'est pas facile. Tu as la fille détruite. Maintenant, garde-la bien. Laisse ta vie ancienne. Trop de femmes. Dépenses inutiles. Concentre-toi sur ta femme. Merci, oncle. Je suivrai ton conseil. Il faut le garder, ses conseils. Je vais exercer dans l'élevage des poulets. La ferme, quoi. Avec l'appui du gouvernement, je pense que ça ira. Merci beaucoup, petite sœur. Que Dieu te protège. Bon, oncle, nous allons devoir partir. Ma fille. Oui, tonton. Vous avez ma bénédiction. Merci, oncle. Merci. Ok, à présent, il faut qu'on s'en aille. Allez, bonne journée. Bonne journée, mes enfants. Bonne journée, ma fille. Surtout, prenez soin de vous. Je pense qu'avec 2 millions, c'est déjà un pas. Il n'est plus qu'à aller rencontrer ce monsieur Georges.
heureux de te revoir. Mais dis, je ne savais pas que Margot était ta soeur. Margot n'est pas ma soeur. Elle n'est plus que ma cousine. Ange, si je suis venu te présenter, c'est juste parce que cette fille m'a reçue. C'était juste une question de faire plaisir. Qui vient te présenter chez tes parents? Juste pour faire plaisir? Écoute, après notre séparation, ma vie amoureuse était très instable. Je ne savais quoi faire au point de faire n'importe quoi. Par le passé, j'étais une folle et une irresponsable. Aujourd'hui, je suis très sûr. J'ai donné ma vie à Dieu. Oui, allô, ma grande. Oui. D'accord, aucun problème. À tout à l'heure. C'était ma grande sœur. Elle a des soucis avec que j'aille la chercher demain. Je pense que le joueur te verra. Elle sera très contente. Je t'aime, ça ne suffit pas. Il faut concrétiser. En lui demandant, bébé, acceptes-tu de me prendre pour époux? Si elle aussi t'aime de tout son cœur, elle te répondra. Bébé, moi j'accepte en ce moment-là. J'espère que si tu m'as fait venir dans ce parc, ça peut me dire quelque chose de bien. Ou encore, m'a fait une surprise. Justement, surprise. Je vais te faire entrer. Grande surprise. Ava Marès, tu dis déjà. Ça ne dépend pas de ma volonté, Mathieu. Je n'ai pas encore payé la deuxième tranche de scolarité et ma mère n'a réussi à supporter toute seule. Même les gars ne libèrent plus. Comment ça ta mère? Et ton papa, il est où? Ah, il serait quelque part dans la nature. Mais j'ignore précisément où. Il était sûrement convenu. Et c'est pourquoi cet imbécile doit payer tout ce qu'il fait aux filles. Alors écoute, si je t'appelais, c'est parce que... C'est par rapport à nous. À nous? Juste. Attends. Il y a un problème. Non. Tu me reproches de quelque chose? Non, ma chérie, mais non, voyons. Allez, souris. Rassure-toi. Écoute. Si je t'appelais, c'est que... Bon, en fait, je veux qu'on aménage ensemble. Quoi? C'est sûr. Aussi sûr que tu ne peux l'imaginer. Parle-moi plutôt de votre rendez-vous. Cet idiot me dit qu'il est allé chez les parents de Margot juste pour lui faire plaisir. Il va se présenter comme ça, juste pour lui faire plaisir. Mais ce garçon, c'est vraiment le diable incarné. Le diable, tu parles. Tiens. Si on se mettait ensemble pour le détruire. Et pourquoi pas? Donne juste le plan, on le suit. Il craque sur toutes les filles qu'il rencontre. Je fixe un rendez-vous avec lui. On va ensemble. Ok. Là, tu auras juste besoin de faire comme si tu étais intéressé par tout ce qu'il fera ce soir.
Je pense que ça ira. Ok, c'est marché conclu. Mais c'est trop tôt. Comment ça très tôt? Moi, je me trouve aucun mal à cela. Écoute. Je ne veux plus que tu sois loin de moi. Plus proche, c'est plus sûr et meilleur. T'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Je continue à te chérir comme plus que je l'ai fait longtemps jusqu'à présent. Rassure-toi. Waouh! Comme tu insistes, c'est toi qui décides. Alors, je crois. C'est d'accord? Dès demain, tu viens de terre. D'accord? Et tu m'aimes. Ok? Voilà. D'accord. C'est tout ce que je peux te dire. Maintenant, une petite balade. Allez! Alors, vous comprenez combien? Oui, c'est si beau de se marier, c'est beau le mariage. Quand tu arrives dans ma nouvelle maison. Oh, wow! Mais pourquoi tu as décidé de tout changer? Assieds-toi d'abord. Ouais. Ma chérie, qu'est-ce que je vais te dire? Tu sais, à la boutique, les impôts me fatiguent la tête. Et puis le loyer a augmenté. Et puis j'ai décidé de finir avec les appartements meublés. Aïe, aïe, aïe. Je suis rentrée hier soir. Et tu m'as même pas appelée. Je vais t'appeler. Oh, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. En tout cas, c'est cool ici. Sinon, comment tu vas? Bien. Et toi? Je suis là, ça va. Et ton gars, Willy? Il va bien. C'est justement pour ça que je suis venue te voir. J'espère que vous ne vous êtes pas disputé, hein? Non, loin de là. Il me demande d'aménager chez lui. Mais c'est bien! C'est pour cela que je suis venue te demander conseil. Tu sais, il s'occupe bien de moi. Mais aménager chez lui, je ne suis pas prête pour ça. Et en plus, si ma tante est au courant, c'est tombé dans l'eau. Tu vois que tu deviens vraiment folle, Margot. Tous les jours, tu parles de voyage. Et ça fait des années que ça dure. Cesse de rêver. Sinon, tu risques de passer tout le temps seul. Tu te coiffes aussi chez ma soeur? Ah non, 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 non. On avait un petit deal ensemble, mais n'est pas. Allez, viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Ok. Voilà. Mm-hmm. On s'est fixé un rendez-vous avec un certain Willy qui sera le petit ami de Margot. Mm-hmm. Voilà. Elle m'a raconté une petite histoire, ça traîne de ce garçon et on a décidé de le descendre. Waouh! Ok. Je serai la partie. Je m'en occupe. Je vais te le présenter. Donc on y va. Oui, oui, on y va.
Si tu étais prédisposé à voyager avec ta tante ou sans elle, tu voyagerais à Mago. Pour ça, tu as raison. Tu dois vraiment réfléchir. Tu es mon ami. Je veux bien pour toi. Ah, si tu n'étais pas là, je serais perdue. Bon, je vais te laisser. J'ai autre chose à faire. Prends bien soin de toi. Merci. Allez, hey, on l'embrasse. Tu passes à m'embrasser. Vilaine fille. Bawa chan tu joue.